soit déclaré incompétent à juger l'ancien Premier ministre Matata. Pour l'instant, la partie Matata, vous l'avez compris, est dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. S'est prononcée donc incompétente il y a quelques jours. Alors, quelle est la suite du dossier? C'est une question que nous nous posons. Même l'affaire Boukanalouz est-elle pose totalement toutes ces questions, ça rôde dans l'ordre d'esprit. Et aujourd'hui, le sénateur, pour la première fois, va répondre aux questions. Il va d'abord faire l'économie de la situation. Puis, s'en suivra donc la séance de questions et réponses. Sur ce, je laisse donc la parole au sénateur Mme Bartholomew qui s'est fait accompagner de la professeur d'Apparat et de l'excellence complète dans la parole d'excellence. Bonjour. Voilà. Pendant près de 7 mois, je suis resté prisonnier politique dans mon propre pays, privé du droit de me déplacer tant à l'intérieur à l'extérieur du pays, du fait d'une décision de M. Jean-Paul Mukolo, procureur général près la Cour constitutionnelle. Pour mémoire, à 4 reprises, par ses réquisitoires successifs dans un intervalle de 2 mois, il a saisi tantôt l'Assemblée nationale et le Sénat, tantôt le Sénat seul, pour obtenir la levée de mes immunités et l'autorisation des poursuites judiciaires. À cet effet, par mon tweet du 7 mai 2021, depuis Conakry, où je me trouvais, en Guinée, et malgré l'appel des multiples personnes qui tentaient de m'en dissuader, j'avais levé l'option de revenir au pays pour faire face à la justice, avec la ferme détermination d'éprouver mon innocence. Comme vous le savez, le parc agro-industriel de Boukanga-Lonzo est l'un des ambitieux projets pour lesquels je me suis personnellement investi sous la houlette du chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila Kabangé, afin d'amener notre pays à une autosuffisance alimentaire. Fort malheureusement, le projet s'est heurté à une opposition farouche de certains opérateurs économiques qui ont utilisé quelques hommes politiques congolais pour le saboter. Il s'est arrêté juste mon départ en décembre 2016. Aussi, peut-on réellement comprendre pourquoi, en lieu et place des vrais auteurs de cette déconfiture qui ont contribué à l'arrêt du projet et qui sont connus de tout le monde parce que circulant dans le pays et ici à Kinshasa, on a pris l'option de poursuivre et déranger les personnes qui ont contribué de manière efficace et efficiente à son démarrage, en ce compris moi-même. Notez que c'est à ma propre demande, à ma propre initiative, qu'a été conduit l'audit technique et financier de CEPAL par l'Inspection générale des finances. Mon objectif était de mettre l'opinion tant nationale qu'internationale à l'abri des mensonges longtemps distillés par les fossoyeurs de l'économie congolaise. Pour atteindre des objectifs politiques, on a recouru au service de l'Inspection générale des finances et du parquet général près de la Cour constitutionnelle, et j'espère que 7 mois après, l'opinion nationale et internationale l'a bien compris. Ayant échoué d'obtenir du Sénat la levée de mes immunités et l'autorisation des poursuites sous l'affaire Boukanga-Lonzo, un dossier fictif sur le détournement des deniers publics lors du paiement de l'indemnisation des personnes physiques et morales victimes des biens indemnisés a été ouvert et instruit en toute irrégularité.
comme le témoigne le fait suivant. A. L'invitation reçue du bureau du Sénat à présenter les moyens de défense le 5 juillet 2021 à la suite du 4e réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. Déposé le 28 juin 2021 en complicité avec le bureau du Sénat et me notifié le même 28 à 18h30, tenez bien, à 18h30, après la clôture inattendue de la session du Sénat. B. Le premier avocat général, Mokola Pikpa, a reconnu, fort heureusement, lors de la séance du procès de la Cour constitutionnelle du 15 novembre dernier, que le parquet général, plutôt du 8 novembre dernier, que le parquet général a attendu la fermeture de la session du Sénat pour déposer un réquisitoire à mon encontre. On s'imagine que cela s'est fait en intelligence avec le bureau du Sénat, ce qui est inimaginable et regrettable. La décision du bureau du Sénat intervenue le 5 juillet 2021, sans m'avoir entendu au préalable, ayant autorisé les poursuites et levé mes immunités parlementaires en violation intentionnelle et flagrante des lois de la République et du règlement intérieur du Sénat. Autre preuve, la mise en résidence surveillée décidée le 13 juillet, aussitôt levée le 14 juillet, faute pour le procureur général d'avoir réuni des indices sérieux sur ma culpabilité dans ces dossiers fictifs. Le procureur général a reconnu personnellement qu'en principe, je devais rentrer en toute liberté à la résidence parce que mon dossier était vide et qu'il devait être classé sans suite. Et que c'est pour tenir compte de la pression politique qu'il était obligé, malgré lui, de me mettre en résidence surveillée. Il a dit en présence de mon avocat. L'empoisonnement qui s'en est suivi juste après ma comparution au parquet général, près de la Cour constitutionnelle, et le refus réservé à ma demande d'autorisation de sortie pour un contrôle dans un centre spécialisé à l'extérieur du pays. Autre fait, la décision du classement sans suite du dossier biens aériens, malheureusement non concrétisé jusqu'à ce jour par le procureur général, en dépit de la demande formulée par mes avocats conseils. Tout ceci a envie de permettre la réouverture illégale du dossier Bukangalonzo pour lequel le Sénat avait déjà refusé toute poursuite judiciaire. Les menaces et chantages à peine voilés du procureur général Jean-Paul Mukolo face à mon refus de coopérer et d'accepter d'être interrogé dans le dossier Bukangalonzo, dont par ailleurs les demandes avaient déjà été refusées par la plénière du Sénat, à conditionnant, s'il vous plaît, la levée de l'interdiction de sortie ordonnée par lui à la DGM contre mon interrogatoire dans les 10 dossiers non concernés par la décision du bureau du Sénat, si c'est évoqué. Dernière preuve, le mandat d'amener ainsi que le mandat de perquisition qui était attaché et dont l'exécution par les éléments de la police ont été accompagnés d'une brutalité doublée d'une volonté de causer du tort à moi-même et à toute ma famille du fait de l'introduction par effraction de la porte sans la moindre gêne ni réserve jusque dans la chambre à coucher. La décision du procureur général est foulée au pied les principes et exigences édictés dans la Constitution et le règlement intérieur du Sénat, de saisir la Cour constitutionnelle en se focalisant sur les faits du reste truffés de contre-vérités
que lui a procuré l'inspection générale des finances dans son rapport, sans apporter les preuves de détournement tant vanté. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, à se déclarant incompétent pour me juger, démontre à suffisance comment la Constitution, les lois du pays et les règlements intérieurs du Sénat ont été systématiquement et intentionnellement violés, avec la complicité, malheureusement, du bureau du Sénat, dans les soucis de me condamner et de me jeter en prison. Et ceci pour des objectifs politiques bien connus qui n'ont rien à voir avec la gouvernance financière du projet. Je remercie la Cour constitutionnelle et la félicite pour son temps énergé des responsabilités, pour avoir dit le droit et rien que le droit. Je remercie aussi les Congolaises et Congolais qui m'ont soutenu dans cette dure preuve de près de 7 mois de prison politique dans mon propre pays, avec comme seule infraction d'avoir donné l'impulsion à un projet ambitieux d'intérêt national de révolution agricole. Au lieu d'être félicité, je suis par contre accusé de détournement des fonds sans qu'aucune preuve matérielle ne soit donnée. Monsieur Christo Groblet, responsable de l'entreprise Africa, ayant géré le parc agro-industriel de Bukangalonzo, est à Kinshasa depuis plus d'un mois. Selon le procureur général Jean-Paul Mukolo et l'inspecteur général des finances Gilles Aliquité, c'est bien M. Grobler qui m'a retourné des fonds destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Or, ce dernier qui est à Kinshasa, lors d'une interview accordée à 2 journalistes d'une chaîne locale, déclare ne m'avoir jamais remis $1 des fonds destinés au parc agro-industriel. Comment puis-je, chers journalistes, détourner des fonds qu'on ne m'a jamais remis? Et qui donc n'ont jamais été dans mes mains? Je demande aux services compétents de l'État congolais, aux institutions internationales et nationales spécialisées, et à la presse nationale, que vous êtes internationale, présente à Kinshasa, de demander à M. Christo Groblet, avant qu'il ne rentre en Afrique du Sud chez lui, combien d'argent m'a-t-il remis directement ou indirectement? Ce qui permettra de mettre un terme définitif à cet acharnement politique monté de toutes pièces pour des raisons aujourd'hui connues de tout le monde, y compris de vous-même. En effet, selon certaines informations qui nous parviennent, le procureur général près de la Cour constitutionnelle aurait transmis les dossiers au parquet général près de la Cour de cassation pour instruction nouvelle, contredisant ainsi les termes de son propre réquisitoire du 15 mai 2021 et confirmant la thèse d'un acharnement politique. En effet, comment imaginer qu'après s'être dessaisi du dossier Bukangalonzo au profit de la Cour constitutionnelle, le parquet général, près la Cour constitutionnelle, transmettrait encore le dossier dont il est déjà dessaisi de la Cour de cassation. Surtout que cette dernière, la Cour de cassation, s'était déjà déclarée incompétente pour traiter le dossier d'un premier ministre honoré. Et c'est bien le même procureur général, près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo, qui avait confirmé dans un réquisitoire ci-dessus indiqué, adressé au Sénat, que la Cour de cassation était incompétente pour traiter les dossiers judiciaires des anciens premiers ministres. Si le parquet général, près la Cour de cassation, s'était déclaré incompétent il y a 5 mois pour traiter les dossiers judiciaires d'un premier ministre honoraire, comment le sera-t-il aujourd'hui alors que la Constitution et les lois du pays n'ont pas changé? Or, tout le monde le sait, il n'est pas de la compétence de la Cour de cassation de s'occuper des dossiers judiciaires
des anciens premiers ministres. Pourquoi cherche-t-on à violer la Constitution et les lois du pays en voulant à tout prix déférer un ancien premier ministre devant une juridiction non prévue par les lois du pays? Et pourtant, à la lecture du prononcé de la Cour constitutionnelle du 15 novembre 2021, il ressort clairement que la Cour de cassation n'est pas le juge naturel du premier ministre honoraire et qu'à ce titre, elle n'est pas compétente pour les juger. La Cour de cassation peut-elle enfreindre les lois de la République? Bien plus, tout le monde le sait. Le parquet général, près de la Cour constitutionnelle, a violé la Constitution et les lois de la République en poursuivant un ancien premier ministre, pourtant devenu sénateur, sans l'autorisation préalable du Sénat. La Cour de cassation va-t-elle aussi violer la Constitution en initiant des poursuites judiciaires contre un sénateur en début du refus formel de la plénière du Sénat? Mesdames et messieurs les journalistes, pendant ce temps, je suis le seul Congolais interdit de tout mouvement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je n'ai même pas le droit de me faire soigner en dehors du pays. Ceux qui, au même titre que moi, sont concernés par le dossier Bukangalonzo ou le dossier bien organisé, voyagent à leur aise à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. J'en ai de preuves et je peux vous le dire. C'est pour vous dire que je suis devenu un prisonnier politique dans mon propre pays. De la même façon, mes immunités levées de manière irrégulière, toujours avec la complicité du bureau du Sénat, ne me sont jamais retournées, violant ainsi les règlements intérieurs du Sénat. Tout ceci, mesdames et messieurs de la presse, pour justifier une procédure illégale telle que reconnue par la Cour constitutionnelle. Je remercie les Nations Unies, particulièrement son secrétaire général, Antonio Guterres, et les missions diplomatiques en RDC, pour l'attention particulière portée à mon dossier, dans le souci de préserver la paix et la sécurité de notre pays. Je remercie aussi mes avocats pour m'avoir défendu dans ces dossiers. Je remercie tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont apporté leur concours dans cette épreuve politique. Merci. Merci beaucoup, Excellence, pour